Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul Yves Rocher, Leclerc et des petits produits que j'ai achetés en pharmacie. C'est parti! Pour commencer, on va parler des petites choses que j'ai achetées en pharmacie. J'étais en pharmacie parce que d'une, j'étais malade, donc il fallait que j'aille chercher mes médicaments. Et en plus de ça, il fallait que je prenne des petites choses qu'il me fallait en pharmacie. Donc j'ai pris la recharge de mon gel intime. J'aime beaucoup ce petit gel intime. Donc c'est un soin lavant douche. Et franchement, pour les parties intimes, c'est très très bien. Franchement. J'aime beaucoup, donc voilà. Et ça m'a coûté 6,80€ du coup en pharmacie et il y a 400 ml dedans. Voilà pour ça. En pharmacie, vu que j'avais plus de gel antibactérien, j'avais le au Monoeil. Mais quand j'étais voir ma mamie, je lui ai proposé d'en mettre. Elle trouvait que ça sentait bon, donc je lui ai donné. Du coup, moi, j'en avais plus. Donc, du coup, j'en ai acheté un en pharmacie. Donc voilà, c'est un gel antibactérien lambda sans odeur, rien du tout. Donc voilà, ça par contre je ne sais pas le prix. Et il y a 450 ml dedans. Voilà. Voilà pour la pharmacie. Ensuite on va passer à Leclerc. J'étais faire mes courses à Leclerc, mais j'ai acheté des produits ménagers, donc tout ce qui est pour le linge, donc lessive et soupline. Tout d'abord j'ai acheté cette lessive-là, Leclerc, franchement, c'est la première fois que je vais tester. Elle est vraiment pas chère, elle est à 4,80€ et franchement, c'est pas cher. Si c'est bien, franchement, je rachèterai à Leclerc parce que je trouve qu'à Action, il n'y a plus beaucoup de choix et c'est cher et il y en a qui sont pas très bons. Et franchement, celle-ci, faut que j'arrête avec franchement, si j'arrive à ouvrir, ça sent vraiment trop trop bon. Ça sent vraiment méga trop trop bon. Donc si elle est bien, eh ben, je rachèterai celle-ci. Et en plus, elle n'est pas chère et on peut faire 50 lavages avec. Donc voilà. Dites-moi vous si vous l'avez déjà testé, les produits Leclerc, tout ce qui est ménager, produits linge ou même produits ménage et tout, dites-moi. Ensuite, il y avait une promo pour de la soupline Lénor. Donc c'était un acheté et un à moins 80%. Donc voilà, apparemment c'est des nouveaux Lénor, je sais pas. Je crois pas parce que celui-là j'ai déjà testé. Ça sent trop bon la fleur, ça sent la fleur et le frais. Et on peut faire 60 lavages avec, franchement, trop contente. C'est une très bonne marque Lénor, ça sent trop trop bon. Franchement, ça sent trop 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 bon. Ah ouais, ça a mentonné. Ça sent vraiment trop bon, le frais et la fleur comme je vous ai dit. À moitié la menthe, on croirait. Ça sent trop 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 bon. Et celui-ci. Ah oui, ça sent vraiment la fleur. Si vous aimez les fleurs, franchement, ça sent trop 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 bon. Voilà pour le petit haul Leclerc. On va passer au haul Yves Rocher, là où c'est un peu plus intéressant. Donc, j'étais à Yves Rocher et j'ai eu des petits cadeaux. Je vais vous montrer déjà les petits cadeaux. Donc, tout d'abord, j'ai eu la petite tasse, voilà, en cadeau. Je la trouve trop mignonne. Violet, tout ça, rose, avec des petites... des lavandes. On croit que c'est de la lavande dessus. Trop cool. Et j'ai eu le petit carnet avec, donc, l'agenda. Donc, voilà, ça, je suis contente. Ensuite, j'ai eu aussi la gourde. Donc voilà, une simple gourde en plastique. Et je trouve quand même que le bouchon, il est gros quand même pour une gourde. Mais on a toujours besoin d'une gourde, ça peut toujours servir. Donc je suis contente. Et en cadeau, j'ai eu... donc ils ont sorti des nouveaux gels douche. Et là, j'ai eu un des nouveaux gels douche qui est aux fleurs. Ouais, qui est aux fleurs. Comme ceci, en 50 ml. Qui est comme ceci. Voilà, c'est un nouveau. Ils ont changé toute leur packaging des gels douche à Yves Rocher. Et voilà. Donc, c'est parti pour les achats. Au total, j'en ai eu pour 14,27€.
Voilà, j'ai pris des nouveaux gels douche, sans vous cacher. Mais avant, j'ai pris aussi cette petite trousse-là qui me donnait forte envie. J'ai vu ça sur des vidéos des copines, mais aussi sur une vidéo, je crois, Nancy, elle l'avait acheté, elle l'a fait montrer sur sa vidéo, sur son Instagram. Et ça m'avait donné envie. Donc, dedans, il y a le démaquillant ou micellaire, comme ça, je trouve qu'il est bien. Il démaquille super bien, mais moi, je me démaquille qu'à l'huile maintenant. Mais je me dis, ça peut toujours dépanner. Après, il y a une eau micellaire. Pareil, une mini eau micellaire comme ça, ça peut toujours dépanner. Et il y a le gel nettoyant. Franchement, ça, c'est parfait. Quand on part en week-end ou en vacances, c'est trop, trop bien. Et dedans, il y avait la pince à épiler. Franchement, c'est cool. Ça, je l'ai payé 3,85 €. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer les nouveautés gel douche. Donc, ce nouveau gel douche-là, j'ai craqué. Franchement, ça sentait trop bon. Ça sent une odeur d'homme. C'est vraiment une odeur d'homme. Vous savez, les gels douche Axe, tout ça. C'est cette odeur-là que ça sent. Je me suis dit, pourquoi pas pour mon mari. Pour moi aussi, je vais tester. Mais clairement, si vous aimez les odeurs d'homme, ça sent vraiment l'homme. Ouais, ça sent vraiment l'odeur de l'homme. Ça sent trop, trop bon. Donc, je l'ai pris. Il n'y a qu'en grand format. Donc, c'est un 500 ml. Et il coûtait que 3,95 €. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, c'est cool. Ensuite, la nouveauté, c'est celui-ci aussi. J'ai pris trois nouveautés, hein. Donc, c'est le gel douche. Donc, c'est un gel douche bain. Ils disent aussi. Hein. Donc, c'est un gel douche framboise menthe poivre. Ouais, menthe poivre. Poivré. Voilà, plutôt. Donc, c'est la framboise menthe poivrée. Et ça sent vraiment trop, trop, trop bon. Moi, les fruits rouges, j'adore. Les fruits rouges et les fleurs. Ça sent vraiment trop, trop, trop bon. Vraiment, j'adore. Et mon chouchou, bien évidemment. Au début, j'avoue que j'avais pris celui-là en grande bouteille. Mais je me suis dit, ouais, l'odeur, je ne sais pas si vraiment je vais aimer sous la douche et tout. Et en fin de compte, je l'ai eu en petit format. Donc, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir tester. Mais celui-là, c'était obligé. Passion, noix de coco. Obligé de le prendre. Donc, je pense que c'est juste. Ils ont juste changé le packaging de celui-là. Il n'y a pas de nouveau... nouveau odeur, nouveau noix de coco, c'est le même. Mais j'ai l'impression qu'il sent plus fort. Et c'est plus laiteux, on croirait. Ouais, franchement, hâte de tester ça sous la douche, même si j'ai encore plein de trucs à tester. Je testerai ça plutôt en automne. Mais hâte de tester ces petits jets douche-là, parce que franchement, en plus, ça donne trop envie. Hein. Ça donne envie, hein. Les nouveaux packaging comme ça, je trouve que c'est... Hop là, que j'arrive à les prendre. Je trouve que ça donne envie d'acheter. Ça fait vraiment qualitatif. En plus, c'est fait en France. Ils disent. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit haul. Il n'y a rien d'autre à vous montrer. Donc voilà pour ceci. Dites-moi vous si vous avez du coup testé les nouveaux gels douche Yves Rocher. Mais avant, je vais quand même vous montrer mon petit make-up. Parce que vous devez dire waouh, c'est bien rouge et tout et tout. Donc, j'ai testé des petites nouveautés. Quoi, nouveautés pour moi parce que j'achète, mais je teste pas. Donc là, j'ai testé la palette que j'ai achetée sur Vinted. La Jeffree Star, franchement, elle est super bien pigmentée. C'est la première fois que je teste Jeffree Star et vraiment, c'est de la bombe atomique. J'ai testé du coup ce rouge-là et ce violet-là que j'ai mis justement au-dessus. J'ai mis le rouge justement ici et j'ai mis ce petit, je sais pas comment on peut dire, cette couleur là quoi, je l'ai mis justement ici. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez un peu mieux. Ensuite pour l'highlighter et le blush, j'ai pris le blush Natasha Denona, donc le mini blush que j'ai acheté sur le Vinted d'Emma, oui d'Emma. Et vraiment, il est trop, trop bien. Il est bien pigmenté. Je vais tout vous montrer comme ça. Vous allez voir. Ensuite, en fond de teint, j'ai pris ce petit fond de teint-là. Donc, le L'Oréal. Je voudrais finir tous mes fonds de teint
pour plus en avoir plein d'entamés, je voudrais en avoir qu'un d'entamé et c'est tout. Donc je finis tous mes fonds de teint et comme ça après je pourrais en ouvrir qu'un et je serai qu'avec un seul fond de teint. Donc c'est le L'Oréal, c'est mon préféré, je l'aime beaucoup. Il est presque fini, il est à là. Oui, il est à là. Voilà, il est presque fini, il est à la moitié quoi. Ensuite, j'ai pris une poudre Fenty Beauty comme ceci pour mon teint, pour poudrer mon teint. Voilà, c'est un tout petit. Après, pour les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres d'une collection d'été il y a 2-3 ans de chez Yves Rocher. C'est un rouge, 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 hein, un beau rouge. Je me rappelle, j'avais craqué parce que j'avais vu sur la vidéo de Hilarion Soleil, j'avais craqué pour ce beau rouge-là et franchement, il est très, très beau. C'est un joli rouge. Et par-dessus, j'ai mis un petit rouge à lèvres comme ceci, par-dessus. Et franchement, les deux combos ensemble, c'est parfait. Ça, vous pouvez le retrouver, hein. C'est pas une collection illimitée, c'est une collection permanente. Et c'est la teinte 05. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, le voir. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils que j'ai presque fini de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Et par-dessus, j'ai mis le Benefit. Voilà, et mon mascara chouchou du moment, c'est le mascara Catrice que mon amie Nancy m'a offert. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il me fait des cils que j'aime énormément. Voilà, et j'ai mis un crayon de chez Action. Voilà pour ceci. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Bye bye!